Et bien cela à tous et à toutes, ici Bootrap et bienvenue dans une vidéo sur Evil Nun. Evil Nun, c'est quoi? C'est un jeu comme Granny. Mais là ce jeu, il y a une version française, ça c'est cool. Alors moi le jeu, on va dire que j'ai fini à 100%, enfin à moitié. Et quand t'as des petites missions secondaires, genre fuir, enfin faire tel escape avec telle difficulté, mais ça on s'en fout. Enfin ça moi je m'en fous. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les trucs, quoi. Enfin, les deux simples, enfin, les deux escapes les plus simples. Puis la troisième, franchement, eux-mêmes en facile, j'ai du mal. Alors, il y a un mode Dream, où en gros, la nonne n'est pas là. Mais en 3 minutes, il faut que vous cherchiez 5 lettres dans tout l'école. Donc on va faire facile et je vais vous montrer les deux simples, enfin les plus faciles. Les deux simples, les deux fins les plus faciles. Les deux simples. Apprends à parler français avec Bloodtrap. Les deux simples les plus faciles. Très français. Simple. Alors vu que moi j'ai presque fini à 100%, j'ai des bombes. Enfin, moi je dis que j'ai fait un 100%, mais bon. Tac. On va mettre un là. Tac, et voilà. Alors, le balai. Putain, la chance. Dès le début, j'ai le balai. Alors, attention. Ça fait boum. Alors, faut savoir que la nonne, elle peut ramper. Dans les conduits, du coup, attention. En haut, et la nonne spawnera toujours ici. En facile, elle fait sa prière, puis dans les autres difficultés, elle fera pas sa prière. Du coup, elle sortira direct. Bon, et triqué manquait. Ouais, je connais le jeu par cœur. Prends le balai, on actionne ici. On fait ça avec le balai. En fait, cette escape là, c'est la plus facile à faire, mais c'est la plus dure à trouver. Parce que genre, j'ai fait la deuxième en première, et c'était beaucoup plus facile à trouver que la première. Hop là, la boîte de cookies est ouverte avec le smash ultimate. La clé de la porte principale. Et on se casse. Très facile. Et cours. Cours, Forest. Vous avez quitté l'école, ouais. En faisant la fin, la plus facile du jeu. Alors, on va faire jouer. D'ailleurs, les créateurs de Evil Nun, ils ont annoncé, il me semble, un Evil Nun 2. J'ai trop hâte, moi, qu'il sort. Alors, on va faire un facile. La nun ne court pas vraiment. On dirait pas. Fantôme, machin. Putain. Il est facile. Je voulais faire un ghost. Mais en fait, moi, j'ai peur des spawns d'objets aléatoires. Parce qu'il y a des objets, je ne connais pas leur emplacement. Enfin, il y a un objet, je connais deux spawns à lui. Voire trois, mais bon. Ah oui, puis dès que vous vous êtes échappé une fois, ou alors que vous avez 24 heures, vous avez le bunker secret qui est ouvert. On fait la même technique. Tiens, c'est pour la donne. Je prends ça. Ouais, bon là je compte car franchement là c'est l'autre escape. Alors
Oui, c'est quel jeu? C'est ça là. Avant qu'on appelle jouer. Le graal, on s'en fout. Palpé de biche ici. 40. Non. 30, putain. J'ai mis qu'une mine à un endroit. On va aller en haut. J'étais vraiment et va se prendre l'autre mine. Au cas où. Alors ça, c'est pour une mission secondaire. Pour un morceau de fameux masque. Elle est de retour. L'autre mine. Oh putain. C'est normal que la grille vienne de se retirer devant moi. Me dites pas qu'elle s'est pas pris l'autre mine. Oh elle me flinguait. La clé jaune, restons à la mettre. On va la mettre ici. Pas de bruit. Oh non, mais pas de bruit, putain. Yes, le pied de biche, c'est exactement ce que je voulais. On l'a tous vu. Je vais la buter. Salut Dan, ça va? Je m'en rappelle plus de c'est quoi son vrai nom. Elle passe à droite? Fait le tour gentiment, elle aurait pu passer par là même en fait le tour. Allez viens là. Et ici. Putain il est lent en facile hein. Putain va comparer à Granny. Bouge, 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 ça va. Alors que se faire attraper dans les conduits par la note, c'est. Ça fait plus horrible. Cette sorcière, vas-y, marche la mine. Alors, attention à ne pas mettre trop près de son corps. C'est bon. Prends le pied de biche. Tiens, je t'écrase, moi. J'ai aucun respect. Après, on va aller dehors. Pour aller dehors. Alors on va débrouiller ça. Comme ça j'ai pu savoir un truc. Ah c'est là. Il y a le van. C'est maintenant ou jamais. Ah non putain mais j'aurais pas le temps. Ah oui, j'aurais pas le temps avec la clé jaune. Et le van va partir avant je pense. Les pieds de biche ne servent plus à rien. Clé jaune. Ah, avec du sang on n'oublie pas. Go. Attention, 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 attention. Si c'est fermé, il me semble. Exactement. On passe par les conduits et attention. On prend chemin vert. Sinon, c'est la mort. Si on va vous connaître et retrouver ça, c'est mort. Et peut-être que j'aurai le temps. Monte. Et dors. De pute, de t'enculer. Parfait. Maintenant j'ai plus qu'à attendre. Je peux fermer ça, je crois, pour me cacher. Alors ça, c'est pour ouvrir toutes les portes fermées de l'endroit. Enfin, t'as des portes fermées. Enfin, t'as des. Yes. Enfin, t'as des portes fermées. Il faut un truc de. Comment dire? Faut des clés secondaires qu'on a grâce au Graal.
fait, t'as deux moyens. Soit tu attends que le van y revienne tout seul, soit tu l'appelles. Mais là, vu que j'ai pas le numéro, on va attendre. Ah oui, merde. Ah mais toi, mais j'ai pas mon masque. Ah oui, putain, mais j'ai pas mon masque. J'ai oublié ça. On va attendre, hein. Je sais pas si la nonne peut venir par là-bas, enfin par là. Je pense pas. Hein. C'est ouf quand même. J'ai envie de trouver. Ah non, c'est pour là. Voilà, au moins que ça passe au secret. On va attendre. Hein. De l'extrême. Je sens que ça va être chiant d'attendre. Après, je peux me faire frapper par la nana. Hein. Est-ce que c'est pareil? On a 5 vies. Enfin, 3 vies. Mais avec les pièces qu'on a. Elle a de retour. Mais avec les pièces qu'on a, on peut s'acheter des vies. Des vies supplémentaires. Puis après, il nous propose une pub pour avoir une vie en plus, mais non, ça, on s'en fout. Bon, par contre, ça va être long, hein. Faudra aussi que je vous montre l'introduction, la cinématique du début. Tu penses? Tiens, bah d'ailleurs, vous savez quoi? Dès qu'on aura fait, enfin, dès que là, je vous aurai montré la fin. Bah, bien sûr, c'est la fin de la vidéo. Mais je pense qu'on va faire d'autres jeux créés par les mêmes créateurs qui viennent. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais ils ont annoncé un Evil Nun 2. J'ai 3 qui sort. Du coup, les créateurs de Evil Nun, ils créent plein de jeux d'horreur. Et leur nom, c'est Kiplerian, truc comme ça. Et eux, ils ont créé des jeux d'horreur assez connus, genre la série des Ice Cream, il y a le 1, 2, 3. Et le 3, mais il y a une fin secrète quand t'as fini les 3 jeux. Et ça, je vous en dirai pas plus. Oui, bon, elle vient, hein, ou pas, là, c'est la glaçon. Ça va être long et chiant, putain. Vous savez quoi? Et je vais chercher la carte. Mais je sens que dès que je vais partir pour chercher la carte, le van va arriver. Allez, go. Attends, peut-être qu'elle va arriver. Oh, tu vois, au moment où je voulais partir. Par contre, si la nonne est dans la salle, elle va arriver. Madame, le bruit. Par contre, si la nonne est dans cette salle-là. Elle peut ouvrir la porte? On me dit pas qu'elle demande à la nonne. Elle garde là. Alors, la technique est suivante. Elle rend le linge. On se cache, hein. Jusqu'à dès qu'elle nous voit, elle a peur. Elle rend le linge. Là, elle va s'endormir. Et nous, avec la peinture jaune, on s'enlit le linge. S'allie. Le linge. Après, on attend. Et une cloche va la réveiller. Logiquement, elle a vu le linge. Elle va tout rendre. Je vous jure que si là, à gauche ou droite, je vois Evil Nun, je peux t'inquiéter. Vas-y, putain, rends tout là, c'est rapide pour toi. Et juste après qu'elle ait rendu le linge. Oh, elle m'a pas vu, j'ai peur. J'ai
Puisque sinon c'est foutu. Oh la connasse, elle a pas vidé. Mais elle a pas vidé. Et quoi? Ils ont fait une mise à jour, c'est pas possible. Car la base est d'or. Je mets la peinture, et du coup c'est sale. Et juste après, normalement, elle voit le truc, et elle revit tout, et après ça, on va dormir. Mais d'où? Mais à partir de quel moment? Mais à la base, mec. Je vais péter un câble. En plus, mec, j'ai eu des frissons, car je croyais que c'était la nonne à droite. Enfin, Evil Nun, non. C'était l'autre qui se barrait, mais pourquoi il se barrait? À la base, elle voit que c'est sale, enfin, elle dort, elle se réveille, elle voit que c'est sale, du coup, après ça, elle va tout vider et se rendormir. Ils ont fait une mise à jour, c'est pas possible. Oh, j'ai des frissons, hein, putain. Le carré à droite, j'ai vu la note, j'ai fait, attends, c'est pas possible. Et elle a la vie, note. Allez, je paye 10 pièces pour 1000. Bon, si la mec elle entend pas, je comprends pas. Ça dégage, bitch. Mais franchement, mec, c'est une blague, comment pas. Mais est-ce que quand elle va revenir, elle y aura de la peinture encore ou pas? C'est ça que je me demande. Vous savez quoi? Je vais chercher la carte. J'ai des frissons rien qu'entendre le. Voilà, putain, mais j'avais la nonne. Oh putain, il y a Evil Nun au pire moment. Alors le code, par contre, je me rappelle plus. Puis là, après ça, mec, je vois que c'est la nonne gentille qui se barre. Mais là, j'ai l'impression. Alors par contre, la carte. Alors les livres lourds, ça, c'est pour faire du bruit. Mon arme. Je vous jure que si elle se réveille devant moi. Merci. Alors ça, c'est pour la coller au sol. Et puis dès qu'elle est collée au sol, il faut que vous utilisez du feu pour la tuer. Soit avec votre lance-flamme qui bug, soit avec un bâton et du feu. Apparemment, je crois que le truc il peut être dans un casier. Elle est de retour, mais logiquement, elle va mourir car elle pourra pas fuir. Sauf par le conduit. Mais vu qu'elle me pourchasse pas, elle va pas passer le conduit. Elle va juste mourir. On est d'accord, hein, elle va mourir. Ah, voilà. Putain, je me rassure. Je comprends pas. Ah merde, j'ai oublié. Attends, c'est la voiture que j'entends. Attendez, est-ce que j'ai qu'à entendre un bruit de moteur? Par là. Je sais pas si la voiture peut nous écraser. Oh fuck, que dalle. Oh! Putain, oh, j'ai eu peur, j'y crois pas. Putain, connasse. Mais rassure-moi que le truc est sale, hein. Qu'est-ce que mec, je pète un câble. Tu m'as pas vu. Il est sale, hein, le truc, hein. Je pète un câble sinon. Bon, la nonne, elle vient, pas grave. J'ai mon double canot pour la coller au sol. Parce que si je le fais à la tête, elle sera aveugle et. Elle se mettra à courir partout. Puis dès qu'elle nous touche, quand elle est aveugle, elle nous tue. Puis sur le ventre, ça fait rien. Ah, c'est peut-être que ça la ralentit, je me demande. Elle est d'or, connasse. Je vais pas lui tirer dans les jambes à elle. Ce serait marrant. Retourne-moi, c'est vide. C'est bon. Oh yes. Réveille-toi là, putain, je peux pas attendre, j'en peux plus. Et j'ai pété un câble.
Oh la vache, ce bug. Enfin, ce bug. Je pense qu'ils ont fait une mise à jour. Logiquement, il arrive. Elle prend l'événement propre. Elle le met avec moi. Elle ferme le ban. Ah non, parce qu'il faut qu'elle finisse de. Ah mais non, ce car avant en gros elle se réveillait, elle fermait les portes et on partait. Mais là maintenant ils ont fini mes jours, elle va prendre les sacs. Enfin les affaires et voilà, elle met là-dedans. Yes! Enfin fini. A plus, Evilman de merde! Je remarque en haut, il le montre plus les. Quelle fin on a fait, ni même en quelle difficulté. Ah, la musique, s'il te plaît. Ah, je suis content, par contre. Je suis content. Parce que là, je dois admettre que ça vient bien depuis des mois que j'ai pas joué à Evilman. Hein. Je me rappelle très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Evilman vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse la troisième fin, la fin que je vous montre, mais je pense que je la ferai en fantôme. Parce que franchement, en facile, mec, jamais j'y arriverai. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Bloodtrap, bye bye tout le monde.